Hop. Bonjour YouTube, on teste le premier jeu, let's go. Ok, la YouTube. Allez, chat, dites bonjour YouTube. On est avec Ronce, on teste le premier jeu des Guess the Word, c'est le jeu de Blade Red. Donc voilà, bonsoir YouTube. Je lance un peu en retard, on vient tout juste de commencer le jeu, vous avez rien raté YouTube sur la VOD, vous inquiétez pas. Et on est reparti. T'as traduit ça du coup? oui, non mais en gros, bourré pour moi, mais mes petits sbires. On va faire de la trad approximatif parce que. Yes, yes. Pour faire sinon. Ah, contrôle. Donc, utilise les flèches pour te déplacer. Okay. Shift pour run, donc pour courir. Donc shift c'est la touche sous mage. Escape for menu. Et du coup c'est pour cancel quand c'est un peu étrange. Parce que X c'est d'habitude pour annuler mais. Retourne pour interagir. Ok. Bon, on va voir. Parce que du coup, moi, j'ai testé manette. Ok. Est-ce que ça a été bien fait? Okay. Qu'est-ce qu'on doit faire du coup? On doit sortir, c'est ça? Non, tu dois avancer vers le. Je dois reparler à eux là? Ouais, il me semble. Ou alors, faut faire le tour, je sais plus. Ok, bah fais le tour. Comment ça le tour? Bah le tour du décor là, va sur le côté du coup. Hop. Ah là? Ah ok. Ouais. Ah ok. Ouais. Bah ouais, la transition des. Ah oui, ok. Des tuiles et pas. Et pas Ok. Ah oui. Oh mais c'est. On dirait le mec de Pirates des Caraïbes là. Ah j'ai le tentacule là. Oh non, Omnigardium est là. Ouais, c'est ça. Nous n'avons pas le choix. La fin de votre règne de terreur est arrivée. Il y en a un à la fin de Toulouse. Et donc là, ils vont caster de la magie contre toi, en gros. Ok. De capturer. Frère. Utilisons les sorts de gardien. Ok, ça part en magie. Ok, donc. Et donc là, ils vont terre au feu. Les éléments. Ouais. Ils sont plutôt jolis, les sprites. Ouais. Ouais. Putain, c'est vraiment... Alors, la première chose qui me dérange. Alors, déjà, c'est sur le perso, c'est un peu bizarre. Ouais. Genre, mis un peu plus haut, un peu plus haut. Bah le perso au milieu et puis bah la barre soit collée au à l'interface du bas soit plus haut effectivement. Alors du coup attaque skill guard item. Ok donc le skill ça va être tes compétences. Je suppose qu'il faut attaquer, je suppose. Ouais. On va attaquer lui. Ok, le HP en bas et le MP, je pense que c'est la mana. Ouais, c'est ça, ouais. Donc pour utiliser tes skills. Ok, skills, donc Omni Guardian Wars, Hellfire. Hellfire sur le bois, ça va bien marcher, c'est bien fait. Logiquement, ouais, on le one shot. Ouais. Soit de la terre, soit du bois, je sais pas trop. Ah, la terre, c'est pas du bois. Ouais, je trouve que c'est de la terre. Oh. Bon, attends, qu'est-ce qui marche sur de la terre? Judgment Spark, Omnigardium Wars. Ça marchera pas. Runic Slash. Bon, Runic Slash, ouais. On va essayer ça. Ah, c'est un. Sur les trois, ça. Ouais, c'est un sort de zone. Ok. Ah, c'est violent ça. Donc, faut spammer Runic Slash. En gros, pour gagner, spammer Runic Slash. Ok, bon bah go hein. Let's go. C'est un dieu vivant que tu l'es pas. Du coup, guard, c'est pour quoi? C'est pour parer, c'est la défense. En gros, ils te font moins de dégâts quand tu pars. Ouais, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Hein. Bah... Ouais, c'est quoi, fais une attaque basique et test. T'es à 230.
560, ouais. Bon, ok. Ça te... Ok, ok. N'hésitez pas à suivre la chaîne, hein, pour ceux qui la suivent pas encore. C'est un moment propagande. Et on est... Ah non, je crois que c'est fini. Le dernier encore le septembre, mais non. On est le 2 octobre, Vince. Ouais, pourquoi il meurt pas? Jugement Spark. Putain, ça fait quoi ça? Et j'ai pas fait celui-là. 1000 de mana. C'est l'attaque ultime quoi. Ok. Oh non, ça a raté en plus. Bah yes, hein, super attaque ultime. Super. Tu parles mieux quoi. Super, bon, on repassera. T'es, imagine, t'es un dieu, tu te rates. Bon. Omnigardium is victorious. Bon. Impossible. Impossible. Nous avons été défaits si facilement. Et maintenant, c'est votre tour. Ok. Ah, prosternez-vous devant votre nouveau maître. Jamais. Nous ne vous rendrons jamais. Et oui, d'accord. C'est un peu bizarre. Ils viennent de perdre. Ils préfèrent ouais, mourir. Que devenir votre servant pour les restants de mes jours. Ouais. Ok, vous allez mourir de mes mains. Ici et maintenant, ok. Bon. Donc on les a battus, mais on doit les rebattre. Bon, un peu bizarre. Ouais, parce que t'as battu leurs invocations en fait. Ah. Bon. Et du coup, là, a priori, c'est ça le plus cheaté, hein. Oui, ouais. A priori, ça coûte que 75. Donc peut-être soit nerf le truc ou augmenter le nombre de mana. Non. Pour le moment t'es un dieu mais tu verras la suite. Ah ouais. Tu comprendras par la suite. Là c'est normal. Ok. Bon, on va voir. On va se laisser porter. Bon, dans la justesse du propos on essaie. Bon, les animations sont jolies en tout cas. Est-ce que c'est des animations de base ou pas, je sais pas. J'ai jamais utilisé AMV. Ok, vous étiez de bons mages. J'ai eu pitié de vous éliminer. Et après, je sais pas, du coup. C'est des animes de base. Ok. Maintenant, regarde... Bah je pense le joyau d'en face là. Le dernier machin va est prêt ou je sais pas quoi, va se préparer. Depuis qu'il se fait dire que c'est dommage, d'accord. Et vous êtes le dernier très rare. Il s'agit de me rejoindre ou périr dans le sang. Ouais, je pense. Mais Under My Blow, dans mon sang. Ah bah enfin un blow c'est sang, donc c'est mon sang, donc Under ou sur mon sang, non bah c'est ça. Dans ton sang ça, ah, sous mes coups. Mes coups. Ah d'accord, ok. C'est dommage parce que je pense que son public est quand même plus français qu'anglais, non? Oui, oui, bah il... Enfin, moi je pense qu'il aurait fallu proposer deux versions. Hein. C'est ça, de base français, proposer une version anglaise si jamais il y a des anglais qui veulent, quoi. Mais... Pour moi, de base, son public est français et pas anglais, quoi. Ouais. Je sais pas. Bah... le principal défaut hein, c'est après il le sait hein, il veut aller trop vite quelquefois et du coup là au lieu de proposer une ouais mais ça marche pas comme ça parce que quand tu débutes vaut mieux proposer plusieurs langues qu'une seule tu vois genre même si l'anglais bah, c'est la langue la plus parlée au monde genre si ton public de communication est un public français c'est ça. Ça sert à rien de ne proposer qu'une langue. Avant que ton jeu arrive chez les Anglais, faut déjà que les Français y jouent quoi. Ah, ça fait un. Je lui fond d'écran d'ailleurs. Ah oui. Ah tu vois le fond d'écran? Je change de. Ah. Oui, tu partages ton écran je pense. Ah oui ok. Bye.
Tu vas te défaire, nous avons un super pouvoir, une super compétence qui existe. Ah yes, et là il se fout de la gueule en gros. Le fameux Divine Call. Quand tu as appelé ton dieu, c'est ça. Quoi? Même si ton sort est super fort, tu vas perdre, tu entends. I'm only waiting for you to finish your work. J'attends que tu finisses ton travail. D'accord. Ok. Donc là, c'est sa validité, en gros. Tu es fou et arrogant. C'est ça. Prude, c'est quoi, The Prude? The Prude, je sais pas ce que c'est dire. Je pense, ouais. Tu n'as jamais perdu, du coup, je pense que tu n'es pas prudent. Ah, les fiers ne durent pas. Bon. Ok. Moi, j'étais pas loin. Ah, oui, ok. Ok, donc tu as signé ton arrêt de mort. Hop. Ok, je te remercie. Et donc, je ne mourrai pas en vain. Ok. Allez. Donc, du coup, on va affronter. Le dieu de la magie. Ok, by the souls. Donc, il parle des âmes. Donc, il va invoquer. Donc, Lord Necros. Le dieu des âmes, bah, c'est la mort en gros. Ah, ils se ressemblent beaucoup les deux. Hein. Yes. Et donc c'est le dieu de la mort en gros. La mort, ouais. C'est ça, tu vas payer. Le prix de ma venue a été payé. Donc, c'est la mort du mage d'avant. Donc les âmes rejoignent mon royaume. Donc tu vas mourir en. Okay. You would have to be able to defend. Ok, donc je reconnais ton pouvoir, notamment pour un mortel. Mais je suis un dieu. Tu ne peux pas gagner. En gros, voilà. Je pensais que t'es un dieu aussi. Ton âme. Oui, au début, ouais. Je vais ramasser ton âme. Ça parle beaucoup, hein, donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de traduction. Ouais, ouais. Bon alors. Bon, on va faire ce qu'on fait depuis le début. Hein. Oh, mais 9999. Ah oui, ok. Ça lui fait zéro. Bon. Il y a les combats scénarisés, c'est cool. Ouais. Allez, on est obligé de perdre, quoi, c'est ça? Ouais, ouais. Bon, allez, on va faire full attaque. Tu utilises ton skill à 1000 MP hein, tant qu'il a testé. Si ça refait miss, je l'utilise plus jamais. Hein. Zéro. C'est pire que de 7 ratés. Quoi. On a pas d'item. Bon, finis-moi. Ouais, ok. Yes. Le one shot. C'est le one shot. Possible. Je suis l'Omnigardium. Je suis un dieu vivant. Tu n'es pas un vrai dieu. Tu viens juste de le réaliser. Alas, d'accord. Hélas, c'est trop tard pour toi. Je ne peux pas mourir. Ça ne sert à rien de résister. Tu n'en as plus pour longtemps. Voilà, ok. Donne-moi ton âme et rejoins les ténèbres éternelles. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas fini. Suis-je? Bah, a priori, tu es perdu. J'ai froid et je ne vois plus rien.
Ouais, donc on est comme dans la description. Ah merde, j'ai passé un texte. Personne ne m'entend. Je suis Répondez, s'il vous plaît. l'Omnigardium. Oh, ça fait comme ouais. Ça fait Wingardium Wingardium Leviosa. 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 Voilà. Je suis tout seul. Tu es dans les ténèbres éternelles. Donc c'est le royaume de la mort en gros. Ronald Leviosa. Weasley, Tu as défié God's End, tu le peux les dieu, tirer, le fin dieu. tu es condamné au froid et aux ténèbres éternelles, quoi. N'hésitez pas à suivre la chaîne là, oh les nouveaux viewers là. Hop hop hop, plus vite que ça là. C'est gratuit hein, sur Twitch. Who's talking to me? D'où tu me parles? T'es où là? Montre-toi! Tell me how to get. Je vais te récompenser généreusement. Genre, me récompenser? Quoi? Ah mais oui, ouais, d'accord, il se souvient qu'il est mort. Ok. Il est pas content. Il est pas content du tout. Emoji pas content. C'est ça 2021? Je suis désolé pour toi. Ok. Mathieu, je Ok, donc je te donne une petite chance de t'enfuir. Ok. Plus de Je suis un magie. dieu vivant, la magie. Tout ça n'était pas capable de me toucher. Ok, donc il dit qu'il va rallier Sous ma des bannière. royaumes entiers sous sa bannière. Et je serai le master, le maître du royaume. Je suis effrayé. Cependant. Cependant! Mais on t'a pas dit de t'abonner, suivre, c'est gratuit. Pour suivre une chaîne sur Twitch. Faut pas t'abonner, suivre la chaîne. Suivre la chaîne, c'est gratuit sur Twitch. Stop me Oui, tourmenter exactement, oui. Et dis-moi ce que tu veux. Oui! Bienvenue SMB! Et voilà, 125 followers du coup. Ah, du Un coup, peu. sur cette scène-là, j'ai pas les. Ouais. Mais j'ai vu dans le chat. Il y a Oui. Wizbot. Ouais, merci, merci du follow. Mais oui, j'ai pas activé les notifs sur cette scène-là, du coup. Comme j'ai refait une scène. Je suis vraiment incapable, je sais pas quoi. Oui, bah ouais. Donc nous avons un ennemi commun. Libère-moi. And I will avenge you. Ok, je me vengerai pour toi. I don't hear all fallen soul can be of any use to me. Ok, donc les âmes utilisées contre moi. Je vous vengerai tous les deux. Ah, ok. Oui, bah je nous vengerai tous les deux. Oui, ok. Bah, je nous vengerai pour toi. Je nous vengerai tous les deux. Okay. Du coup, c'est dommage, il devrait mettre une petite musique de fond, Il n'y a c'est pas de calme. musique là? Hein? Il n'y a pas de musique là? Non, pas de musique. Il y a zéro son. Oui, c'est un peu la tristesse. Ouais. C'est tout calme. On passe d'une musique cool à un truc tout calme, tout. Ouais, il y a beaucoup de blabla en plus, alors effectivement, Ça, c'est un ça peu aurait long. mérité une petite mise en scène. Ouais, c'est pour ouais, la mise en situation, quoi. Bon, tout de même. Une petite musique, ouais. Bah, une petite musique, deux, trois pictures. Ouais, c'est ça.
Bon, on passe un peu, hein, ce qui est bon. Ça serait trop agréable avec de la musique dans la zone des ténèbres. Ouais, justement, tu mets une musique pas agréable. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais... Non, mais tu... oui, tu mets un truc... Tu mets une musique 8 bits et... Bon, c'est un peu long, on va passer un peu, mais... En gros, on va se venger et puis blablabla. Ah, comment qu'on s'appelle ? Bah, Gizmo, hein. Oh. Ça, du coup, là, il y a un bruitage, mais ça fait très bizarre sans musique derrière. Ça fait... C'est très bizarre, c'est très perturbant. Mais why not ? Il est où le Z ? Ah, putain. Ouais, bah ça, oui. Là, par exemple, ça aurait été mieux de faire une saisie clavier, par exemple. Ah, j'ai pas essayé, je trouve que ça passait. Quand je joue manette, je pouvais peut-être en clavier. Okay. J'ai pas essayé, je t'avoue. Blablabla. Ok, attendez-moi, j'arrive. Bonne chance. Bonne chance, ok. Bon, allez. On y go. Alors. On est cette merde, là ? Oui. I'm back, bitches. Yes. Ah, c'est nos amis, ça, ou c'est... Non, qu'est-ce que vous voulez ? Ok, c'est... D'accord. Dégagez de ma vue. C'est des petits monstres. Pierre, arrêtez de me lécher. Je vous ai dit d'arrêter. Bah merci, oui, bah on sait ce que c'est des slimes quand même. Enfin des slimes. Quand même. C'est pas mon corps actuel, il l'a dit. Ah, je peux bouger, ok. Alors, bon. On est dans une caverne, a priori, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On peut interagir... Ah non, ça, c'est au-dessus. Ça, c'est du décor, ça. C'est au-dessus de nous. Petite pièce, là. Ok, donc il y a un... Healing Mushroom. Ah, c'est pas une pièce, c'est genre une aide, non ? Ouais. Ouais, c'est un item. C'est un champignon qui va te rendre de la vie. Ah, ok. Alors, allons-y. Alors, il n'y a pas de diagonale. Tu peux que... C'est que de la ligne droite. Ouais. Donc, c'est quatre directions. Ouais. Maman. Ouais, bah, tu vas essayer de tuer là. Ouais. Bon, je pense qu'il y a une phase tuto. Alors, effectivement, on a plus que 250 HP du coup. Yes. Et on a, ouais, on a plus rien, hein, clairement. Ok. Bon, voyons voir ce que ça fait ça. Juste l'attaque du coup. 22. Ouais, on n'est pas... C'est sûr que c'est pas la même force, hein. Bon, ça va passer, hein. Pas trop de problème. Voilà. Alors, 110 XP et 5 Kling Fawn. Alors ça, je sais pas ce que c'est du coup. Kling Kling. Non, c'est bah d'argent. Kling kling. Ah, il okay. Y a un système de monnaie dans le jeu du coup. Ouais. Ah, t'as pris deux niveaux, what the fuck. Ouais, tu dois pouvoir acheter des items. Ouais, sûrement. Ok, donc sûrement, là t'as absorbé un truc d'ailleurs. Tu veux éliminer la créature dans la cave. Ah, possibilité de rater tes attaques. Oh.
Bon, ça, je suis pas... Pouf. Quand les ennemis baissent ta précision, ouais, pas de soucis, mais... Oui, c'est ça, c'est que c'est utile quand t'as des stats, quoi. Si t'as pas de stats claires et enfin clairement annoncées. Ok. Bon, je traduirai pas parce que. Voilà. Alors, mais... ah, on a un mec là. Alors, est-ce que c'est le centre pour soigner, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bon, c'est plutôt. Pas mal montré, avec une petite croix verte au-dessus. Bon, c'est. Salut Meta. C'est notre mode préféré. Ça va Meta? Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Est-ce que. Hey, mais est-ce que tu peux utiliser les émotes, toi, Meta? Les nouvelles émotes, si tu peux les utiliser. Ah, ça t'as mis réservé au sub? Je sais pas du tout, mec, comment ça marche. Du coup, je les ai ajoutés et c'est tout. Ah, ça oui, j'ai pas trop regardé du coup ce que t'as fait. Donc, ouais, j'ai ajouté les émotes. Je sais pas ce que t'as mis. Ah, il y a une grosse chauve-souris. Là, il y a une pièce. Et un. Ok, donc un mâchon mêlé. Dans mes souvenirs, tu as une pièce à gauche. À gauche? Ouais, donc là, tu redescends et tu vas à gauche. Bah, j'ai un bonhomme orange. Ouais, bah ouais. Puis il y a des trucs, il me semble. Ok, voilà. On va peut-être pas explorer, on va peut-être faire la chauve-souris avant. Ouais, Donc t'as juste lui, ouais, c'est ça, c'est des émotes par palier, donc on verra pour vous les mettre en tant que viewer. J'en ferai d'autres. Yes, ok. Ben, je sais pas comment en mettre pour les viewers lambda. Donc là, comment t'as attaqué l'ennemi? Est-ce que il t'a agressé au corps à corps? Non, j'ai essayé de lui parler. D'accord, c'est un peu dommage. Parce que ça avait l'air d'être un ami, je voulais lui parler. Donc c'est un peu dommage. Ça aurait été bien que les ennemis genre tu sais une espèce de d'animation de point d'exclamation sur ta gueule et te courent après quoi par exemple. Oui, enfin c'est pas un dresseur Pokémon non plus. Ah mais non, mais dans n'importe quel RPG Oui non mais je rigole. Genre tu joues à Dragon Quest c'est pas... Et le mob te court après en fait. On n'a pas trop d'explications sur la monnaie pour l'instant, c'est pas trop à quoi ça sert. On va faire la chauve-souris. Ouais. T'auras certainement un shop plus tard. Mais... Ouais. Est-ce que tu vas te faire boulot ou quoi? Ah mais du coup, ouais, du coup si je parle pas, je peux... Je pense qu'il n'y a pas d'autres salles. Ouais. Non mais je vais récupérer la pièce avant. Allez. Alors... Bon, fait fou. Ah, par contre, la mana, je sais pas si on la récupère. Comment elle se récupère? En fait, j'attaque que la mana depuis le début. Bah, d'abord, dans tes items, si t'as des items mana par exemple. Oh. Ouais, le mana, mana mushroom. Ok. Alors, ça, c'est pareil, il devrait mettre peut-être une description. Ah, bah, c'est marqué au-dessus, j'ai rien dit. Voilà. Parce que lui est pas. 50 MP, ok, bon on a le temps. Ouais. Ouais, ça j'avais remarqué, ça soit une PV, c'est assez bien indiqué. Y'a pas trop de problème là-dessus. Ça pour le coup c'est une bonne idée d'avoir mis vraiment une croix verte. Ça montre que c'est bien. Bah le. Oui le vert est souvent bénéfique dans les jeux. Balle combo Learned. Après, avoir par la suite du jeu, mais je trouve que il y a un côté Pokémon qui me gêne un peu, je trouve, pour l'instant. Mais à voir par la suite comment ça se développe. J'en dirai pas plus pour l'instant, mais il y a un côté Pokémon qui me gêne un peu, pour l'instant. Mais on verra par la suite. Alors, là, je suis en pipi. Ball combo tu évites. C'est quoi? C'est un skill qui te permet d'éviter des... J'ai pas compris.
Ah non, c'est une attaque. Ah oui, d'accord. Ah, multi-hit. Oui. D'accord, ok. Couteau multi-hit. C'est bien ça. Ouais. Ah, bah pour l'instant elle est pas très imprécise. Okay, il fait un 2 sur 2. Alors beaucoup de pièces à ramasser. Eline Mushroom. Ça a peut-être été patché. Je sais pas. Oui, je rappelle que je suis sur la version démo. Hein. Je suis pas sur la version vendue. Entre guillemets. Ah, donc j'ai pas le choix. J'ai touché à rien. Donc là on est obligé, dès que t'arrives devant eux, on est obligé d'aller les voir. Donc là, on a été obligé. Le combat a été forcé. Ouais, c'est des balles combo. Donc, du coup, ça touche que 1. Okay. Ouais, c'est ça aussi. Les animations sont pas forcément calibrées sur les personnages. C'est un peu dommage. Parce que par exemple, là, tu vois, ça fait un gros skill. Tu t'attendrais à ce que ça touche plusieurs ennemis, par exemple. Ouais. C'est l'indication visuelle, hein. C'est... Après, ces animations de base, il aurait fallu les retravailler. Pour un jeu vendu, on aurait pu les retravailler. Bon. Ça devrait passer sans trop de problèmes. Ouais, et puis t'as de quoi te soigner de toute façon. Oui, oui. Yep. Nickel. Oh, le jeu a une bonne vibe, chill. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça se fait assez facilement. C'est pas. Tu comprends quand même assez vite ce qu'il faut faire, quoi, mais. Alors là, est-ce que l'histoire c'est mieux d'aller se soigner ou de sortir? C'est pareil, ça, on sait pas. Ça fait sous- ouais, là par exemple, vu qu'il y a une sortie, aurait fallu mettre un heal un peu plus près que. En fait, ça se trouve, il y en a un derrière quoi, mais du coup. Ouais, mais tu sais pas du coup. Ce serait d'avoir son propre sound design quand tu as joué à beaucoup de jeux. Le jeu est déjà sorti en fait. Ça sort un peu, je trouve. En gros, ce que Meta veut dire, c'est que le moteur, on le connaît bien, nous. Ouais. Et les sons du jeu, si tu veux, c'est les sons de base. Les animations, c'est les animations de base. Ok. Et du coup, c'est dommage, si tu veux, de vendre un jeu fini où finalement, c'est très les assets basiques du moteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Là où ça dérange moins sur Unreal et... Et Unity, c'est parce que il y a plus de façons de faire les choses, alors que sur les jeux RM, ça se voit très vite quand tu modifies pas tout, quoi. Quand tu fais pas les choses à ta sauce. Yes, je vois. Bon, YouTube, on va s'arrêter là pour la première VOD. On se retrouve pour la suite et fin juste la prochaine fois. Bye YouTube. À plus YouTube.